C'est une belle arrivée, on est content. Plus on est arrivé à bonne heure. Puis on est arrivé. Ouais, c'est perfect timing, ouais. Ça c'est sûr. Et puis on est arrivé à peu près comme on voulait aussi avec. On est arrivé quand même groupé. Il y a encore d'autres bateaux qui arrivent derrière nous. Il y avait des classes 40 devant là, donc c'est sympa, ça enchaîne pour vous. Et puis pas pour nous, ça. On a réussi à se mettre là où on voulait à peu près, même s'il y a un bateau qui est passé quand même devant nous. Et puis bah, on le salue bien fort parce qu'on n'a pas jamais réussi à revenir sur lui. Mais on est ravis d'arriver dans la baie à cette place-là et puis avec une arrivée qui était plutôt sympa, ouais. On a fait des belles manœuvres, on est content. Ouais, super. Voilà, des petits trucs, ouais, des petites choses quand même. Voilà, on a une voile déchirée, une autre là qui commençait à avoir des signes de faiblesse là. Donc juste ce matin, vous voyez ça. Et sinon, des petits soucis en énergie mais qui sont réglés au fur et à mesure. Donc ça a été. Voilà, mais non, on était contents, début de course, on était contents et on a perdu un peu en partant au sud et après on n'a jamais réussi à recoller, voilà. On a, par contre, il y a une bonne liste sur le bateau pour essayer de l'améliorer. Ouais. On est contents quand même d'être parti au sud parce que assez rapidement, on avait notre J2 qui commençait à se déchirer. Donc pour nous, la zone nord et les fronts, c'était pas forcément la meilleure des choses qu'on pouvait faire par rapport à l'état des voiles du bateau. Donc on était bien là où on était, puis il faisait meilleur et puis le bateau était moins penché. Ouais, bah on a passé, ouais tout à fait, on a passé les Canaries. Alors il y avait un match un peu interclasse parce qu'on était aussi groupé avec les classes 40 et puis il s'avérait qu'en plus sur les classes 40 c'était des copains. Donc c'était plutôt sympa de se tirer la bourre avec eux et d'essayer de c'était stimulant. Et puis il y avait les IMOCA qui étaient autour de nous et où malheureusement nous on avait du mal à tenir les vitesses en fait des bateaux quand même qui étaient à côté, mais on faisait tout notre possible, on essayait de tirer les bons bords, des fois on l'a bien fait, des fois on a tiré à l'envers, on a eu des choix judicieux, d'autres un petit peu moins. Mais globalement, bah, on est assez content de notre route et on est assez content du fait de, bah, déjà d'avoir passé un bon moment tous les deux ensemble, avec le bateau aussi. Et puis bah, de rien avoir, il n'y a rien de grave, quoi, parce que des petits bobos. Quoi. Donc on amène le bateau, malgré la vétusté des voiles, etc., on l'amène quand même assez clean en Guadeloupe, parce qu'après, François, il repart. Ouais. C'est rapide, hein. Il y a quand même une transat derrière. Mine de rien. Ah, il y a une bonne complémentarité. En fait, ça s'est fait naturellement. Et même les histoires de car, enfin tout s'est vraiment bien passé, ça a bien coulé. Et ouais, je pense qu'on a. On était potes avant de partir, on est encore potes, donc ça va, c'est bien. Ouais, bon, on est même encore un peu plus potes. Ouais. Bon, à chaque fois que tu vis des choses un peu particulières, c'est quand même un huis clos sur un bateau. Il y a des moments t'es bien, des moments t'es fatigué, donc forcément c'est un peu comme la vie à la maison, mais en tout est multiplié quoi. Donc globalement là, ça s'est vraiment super bien passé. C'est super agréable de naviguer avec Franche et puis bah, j'espère que c'était agréable de naviguer avec moi. Ouais, je répondrai plus tard à cette question. non, c'était super. C'est vraiment. Ah non, on a passé un bon moment. On n'a pas vu, ça aurait pu durer 10 jours de plus. Hein. Ouais, non mais ça aurait pu, tu vois, parce qu'on était vraiment, on avait une bonne routine, on s'était bien calé, on avait juste les manœuvres en fait avec la chaleur qui était vraiment, on perdait beaucoup d'eau, d'énergie, à chaque fois qu'on manœuvrait ça nous épuisait pas mal quoi.
Et donc, mine de rien, petit à petit, chaque jour, je pense qu'on baissait quand même un petit peu en énergie. Donc là, les derniers jours, bon, quand on essayait de projeter ce qu'il allait faire, on a fait beaucoup de changements. Speed, Genax. Du coup, on commence à être pas mal là-dessus. Mais on arrivait encore à faire des petites erreurs, mais on n'a jamais fait de grosses erreurs, mais surtout ça... On n'a rien mis en danger dans le matériel en fait. On a toujours essayé de se préserver, d'anticiper, mais bon, la fatigue elle commence à se faire sentir un petit peu quand même. Bravo messieurs, bravo à François Dufresne, Eric Bédouard sur la partage. Au fur et à mesure, ici, sur le ponton de Niel, avec des démocrates 40, de nouveaux immocrates que nous allons voir. Notamment Saint-Chêne, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes maintenant. Bien sûr, un peu avec le galet. Nous, ça doit partir à la voilerie demain matin. Elle est déjà partie là. On va faire ça là. Oh bah super. Ah oui aussi. C'est cool. Ça fait du match. Bravo. J'ai vu qu'il y a deux bagarres. Ah putain, mais attends, dans un temps, il y a un petit dans la nuit, tu repasses la tête. Moi, c'est bien, hein, bon. Ouais, mais moi, j'ai plus de points à la tête. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais.